Et coucou, j'espère que vous allez bien en ce 19 décembre. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous c'est une journée un petit peu chill. On s'occupe de nettoyer certaines choses dans la maison, notamment comme les aquariums, parce que nous en avons quatre et que ça prend du temps. Stéphane, ça doit faire 2 heures et demie un petit peu à peu près qu'il est sur ses aquariums. Ça commence à faire bien bien long pour lui, Bichette. Mais au moins après nous serons tranquilles pendant à peu près... Pour le plus gros, un mois, et puis les autres, à peu près 15 jours. Enfin voilà, sur la période des fêtes, il n'y aura pas besoin de s'occuper de ça. Sinon, bah, journée tranquille, on est tous les deux. Lana est à la BU, Lilou est à l'école. Et puis, j'ai été faire quelques petites courses au Leclerc, rien de fifou. Je vais quand même vous montrer ça, parce que notamment, j'ai récupéré un Too Good To Go, ce coup-ci, à la boucherie. Donc, c'est une première, je ne sais absolument pas ce qu'il va y avoir dedans, mais on va découvrir ça ensemble. Sinon, celles qui ne l'ont pas fait encore, n'oubliez pas de bien valider votre participation au jeu. Vous avez jusqu'au 23 décembre minuit et le 24, je tire au sort deux gagnantes. Vous avez été quand même nombreuses à me dire que deux gagnantes, c'est mieux qu'une. Donc, je me fie à vous. Et il y aura deux gagnantes sur ce lot. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. En même temps, on se voit absolument tous les jours. Donc, j'ai pas une vie dingue. Donc, j'ai pas trop de choses à vous raconter en ce moment. Ça va s'accélérer peut-être sur la fin de semaine. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Et je vous laisse sur les vidéos. Regardez-moi ce beau ciel bleu. Depuis quelques jours, nous sommes chanceux. Il fait très très beau. Là-bas, tout au fond, regardez, vous avez la petite mangeoire pour les oiseaux. Les oiseaux qui viennent d'ailleurs au sol, là. Que j'avais acheté chez Action. Elle est super pratique. En haut, vous mettez l'eau et en dessous, il y a les graines. Voilà. Là-bas, il y a ma poule. Voilà, mais en tout cas, je voulais vous montrer ce ciel bleu parce qu'alors on a de la chance. Je voulais vous montrer les cadeaux qui commencent à s'additionner un petit peu dessous. Voyez, regardez, il y en a un petit peu partout. Hop, là-bas derrière aussi. Voilà, et ça, c'est sans compter les trois autres sacs et les chaussettes. Qui commence à être bien garni aussi. En même temps, c'est Noël, quoi. Il faut ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon chat? Qu'est-ce que tu fais là, Gold? Il sait qu'il y a un retour de course. Forcément, il est tout le temps là. Allez, on découvre ensemble ce que j'ai. Ce coup-ci, c'est au rayon boucherie. Alors, le panier était un peu plus cher, je crois 8,90, enfin quelque chose comme ça. Découvrons ensemble ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que j'attrape? Alors, il y a une palette de porc cuite, bon, à manger froid ou chaud. Je ne sais pas ce que c'est, je ne mange jamais ce genre de choses. Donc, je ne connais pas. Tu connais toi, Mimou? Ensuite, il y a eh ben, deux steaks hachés qui vont jusqu'au 20 décembre, donc jusqu'à demain. 5% de matière grasse, ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, encore deux steaks hachés, pareil, qui vont jusqu'à demain. Eux, ils sont 15% de matière grasse. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, carpaccio au pistou. D'accord, bon, ben, je ne connais pas. Mais ça m'a l'air quand même pas trop mal. Et attendez, il y en a encore. Mimou, il y en a encore. Qu'est-ce que nous avons là? Eh bien, encore des steaks hachés, des burgers, ce coup-ci. Ceux-ci, ils vont jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va passer ceci impérativement aujourd'hui. Mais du coup, ben, c'est pas trop mal hein, pour 8 euros. Voilà, je pense qu'on va mettre 2-3 choses au congélateur. Voilà, allez, je vous laisse.
Regardez qui est là. C'est très très rare d'avoir Raja ici. Qu'est-ce qu'il y a mon Raja? Qu'est-ce que c'est mon cœur? Tu fais la tête? Regardez, j'en ai un ici et un autre là. Ils ont faim. Tu as faim? Qu'est-ce que tu veux mon bibi? Est-ce que c'est ça que tu veux? Hein? Et voilà, c'est ça, il a faim. T'as faim, Raja ?